Je m'appelle Caroline Mitane, je suis présidente de Soline Développement. Alors ici, vous êtes dans un centre d'appel un peu particulier, qui est assez silencieux, puisque un centre d'appel adapté aux personnes sourdes, avec la présence d'interprètes en langue des signes et de conseillers sourds qui répondent comme un des téléopérateurs classiques. Alors Soline est née de mon expérience d'enfant de parents sourds, donc petite, c'est moi qui téléphonais pour mes parents, qui les accompagnais. J'ai fait mes études et puis je me suis dit, au fond de moi, parce que je suis née pour ça, il fallait que je fasse quelque chose. Alors c'est le L avec la boule, donc on fait la boule avec l'autre main. Depuis 2013, le mouvement était le premier distributeur à s'être rendu accessible à toutes ces personnes sourdes, ces 6 millions de personnes en France. C'est un choix de Leclerc, sous notre proposition bien sûr, que de tout de suite se dire, oui, on vous fait confiance, on va vous donner les outils pour, on vous fait confiance sur l'accès à ces outils, à notre base, pour pouvoir répondre en toute autonomie. Et bien sûr, c'est un sourd qui doit répondre à un autre sourd. En fait, il y a un attachement qui s'est créé. Donc c'est depuis 2013, donc c'est vraiment une histoire qui s'est construite et qui dure. Dans la communauté des sourds, Leclerc, comme quelques enseignes, il n'a pas beaucoup, ou représente vraiment un socle ou un exemple de cette accessibilité. Alors concrètement, une personne sourde qui est un client comme les autres se rend sur le site internet pour pouvoir contacter l'enseigne, clique sur un espace dédié pour les sourds avec le logo Soline, et ensuite il y a deux boutons qui lui sont proposés, la webcam ou le chat. Elle clique sur la webcam parce qu'elle veut communiquer en langue des signes, et là elle rentre en communication vidéo avec un conseiller Soline Leclerc qui a été formé par Leclerc à répondre comme un conseiller classique qu'on a au téléphone habituellement. Les demandes sont très variées. Là, en ce moment, par exemple, on a beaucoup de demandes sur l'essence. Des questions sur le clairvoyage ou des problèmes sur les tickets de caisse et des questions sur les livraisons également. Tous nos conseillers ici sont formés à écrire ce qu'on appelle nous en français facile. Le chat qui est adapté parce que les personnes sont dans souvent des difficultés à 80% par rapport à l'écriture, donc c'est du chat adapté. Le traitement des demandes se fait différemment, il faut souvent répéter pour rassurer, parce que c'est parfois du vocabulaire dont ils n'ont pas l'habitude. La relation client, l'empathie, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont découvert. Ils sont très très contents qu'on soit là pour les aider. Ils le disent et qu'on soit capable de leur apporter la réponse, ils en sont vraiment satisfaits. Les sourds, au départ, ils ne savaient même pas qu'ils avaient le droit de s'adresser à une enseigne. Et maintenant, ils deviennent exigeants comme les autres. Et ça, c'est le point fort où on a gagné.